Allô! Joyeux jeudi! Alors, c'est Josée Lemieux. Je suis la fondatrice là, de Josée Lemieux, là, les Pop Santé Beauté. Je suis coach de motivation et en fitness. Et là, je voulais te parler, dans le fond, pourquoi c'est si difficile d'atteindre nos objectifs lors de remise en forme ou juste de décider d'être en remise en forme. Parce qu'on s'entend, on le sait toutes, qu'est-ce que ça prend? Hein? Ça prend, dans le fond, il faut bouger. Et il faut mieux s'alimenter. Alors, on les connaît, les règles de base, mais pourquoi qu'on ne les applique pas? Pourquoi c'est si difficile à appliquer? Et je suis en train de lire un livre, puis c'est drôle parce que moi, j'ai vécu l'expérience avant même de lire le livre, mais quand je le lis, my God, que je me reconnais, puis ça me tentait de t'en parler. Alors, c'est le livre des Compound Effect. En français, c'est l'effet cumulé. C'est tellement vrai. Parce que dans le fond, comme moi, par exemple, ma remise en forme, ça fait un an et demi maintenant que j'ai commencé et on s'entend quand c'est un processus. Et tout processus, comme il est, prend du temps. Donc, c'est les petits changements, les choix, les meilleurs choix que tu fais quotidiennement qui, une fois cumulés, vont faire en sorte que tu vas réaliser tes résultats. Alors, pourquoi on n'embarque pas là-dedans? Pourquoi c'est difficile? Parce que notre vie étant ce qu'elle est, ça va vite, c'est rapide, on est fatigué souvent, bien souvent, on travaille, on commence tôt de travailler. Bon, si tu as des enfants, c'est la course le matin, les lunchs, préparation de lunch, etc. On arrive à l'école, porter les enfants, ensuite on go, on travaille. L'heure de dîner, ben, on relaxe un petit peu avec les collègues, c'est reparti l'après-midi. On vient le soir, on est débordé. En plus, il y a les enfants, bon, il y a les devoirs, les bains, les... Bon, ça finit plus. Et donc, on arrive le soir, bon, est-ce que ça te tente de t'entraîner? Pas nécessairement, mais tu le sais que ça serait bon de le faire. Et là, nous, tu sais, l'humain, on est pourtant rationnel. On est des êtres rationnels. Et on pourrait prendre la décision de dire, ben, regarde, moi, je fais de bons choix chaque jour. Je vais m'entraîner, même s'il est tard, même si je suis fatiguée, blablabla. Ce serait la bonne chose à faire. Mais bien souvent, on va aller vers des choix qui vont nous réconforter rapidement, qui vont nous donner un sentiment de bien-être rapidement. Donc moi, si je regarde par exemple avant, j'étais une bébête à sucre. Donc souvent, presque à chaque jour, j'avais des rages de sucre parce que j'étais fatiguée, etc., parce que j'avais besoin de gratification rapidement. Donc, j'avais besoin de me sentir bien. Donc, le chocolat, moi, m'apportait ça. Oh boy, y a-t-il une course? Hey, c'est parce que je parle, là? C'est parce que je parle, là? C'est comme une course de moto, là, je sais pas trop qui passe chez nous. Désolée. Alors, c'est ça. Moi, je suis une bébête à sucre, donc je me réconfortais beaucoup, 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 beaucoup dans le chocolat. Donc, si j'étais fatiguée ou ben, je me complaisais dans le chocolat ou dans toute sucrerie qu'il y avait à la maison. Et donc, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai créé cette mauvaise habitude-là. Sauf que c'est ça pourquoi c'est difficile. C'est parce que ça donne un apaisement, ça te gratifie rapidement la mauvaise habitude. Là, j'applique ça à la remise en forme, c'est la même chose. Par exemple, si tu es un fumeur, une fumeuse, j'imagine parce que, bon, j'ai jamais réellement, j'ai fumé social, mais c'est tout, là. Ben, tu sais, la bonne puff, c'est bon. Donc, on le sait que c'est pas bon, la nicotine, puis la cigarette, mais c'est une mauvaise habitude qui est ancrée parce qu'elle nous fait du bien rapidement. Tandis qu'une remise en forme, un choix alimentaire plus sain pour ta santé, par exemple, prendre de l'eau pétillante au lieu de prendre un verre de Pepsi. Ben, tu sais, sur le coup, c'est sûr que, tu sais, si tu préfères le Pepsi, tu n'auras aucune gratification. Tu sais, tu vas même te sentir privé de quelque chose. Sauf que c'est ça comment fonctionne le processus de remise en forme, c'est que c'est chaque meilleur choix que tu fais à chaque jour, qui, une fois cumulé, vont faire en sorte que tu vas avoir les résultats que tu veux. Donc, moi, ça fait un an et demi que j'ai commencé mon processus de remise en forme. Eh bien, c'est ce que j'ai compris avant même de lire le livre que je lis actuellement, The Compound Effect, l'effet cumulé. Vraiment, c'est un super livre, mais c'est là que tu apprends vraiment, ben, que tu apprends.
quand je relisais ça, c'est ça que j'ai réalisé dans mon année, c'est que si j'avais lâché après mon premier mois, parce que moi, dans le fond, là, j'étais une abandonneuse, après 2 semaines, si je ne voyais pas de résultats sur mon corps, j'arrêtais n'importe quel programme que j'essayais, ou même la course, ou même le vélo, quoi que ce soit. J'abandonnais, mais là, cette fois-ci, j'ai dit non. J'ai pas de plan B, mon plan A, c'est ça, let's go. Ça n'a pas été toujours facile, là. Mais j'ai eu des rechutes, sauf que je me suis toujours relevée, puis je me suis dit, let's go, Joe. Aujourd'hui est un autre jour et j'ai toujours fait de meilleurs choix. Alors, c'est ça, on a toujours le choix. Et c'est ce qui a fait en sorte que là, maintenant, j'ai 22 livres de moins sur mon corps, je me sens tellement mieux, énergique, plus musclée, plus forte. Puis maintenant, là, j'ai créé la bonne habitude et comment je me sens là, je me sens tellement mieux que ça ne me tente plus de retourner en arrière. Ça ne me tente plus de me pitcher dans le chocolat pour me sentir mieux parce que je le sais que je ne me sentirai pas mieux. Donc, c'est sûr qu'il y a une transition, il y a un temps à faire, mais c'est réalisable. Le meilleur exemple que je pourrais te donner par rapport à ton atteinte d'objectif et ce que je viens de te dire, l'effet cumulé par rapport à la gratification rapide. Une belle illustration, c'est par exemple un avion. Un avion, admettons, bon, qui part de Québec et qui s'en va à New York. Bon, ben, mais lui, la trajectoire, 1% à côté, tu sais, 1% plus à l'ouest, c'est juste 1% de son processus de vol. Mais probablement, tu sais, c'est ça, il va être dévié, sa trajectoire va être déviée de 150 km à peu près de sa destination. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est ça, c'est que c'est chaque... Tu sais, sur le coup, quand que tu prends ta palette de chocolat, tu dis... Tu sais, ça, c'est sûr, sur le coup, ça fait rien. Comme moi, hier soir, j'ai pris un bol de chips autour du feu. Hein, c'était ma gâterie. Ça faisait plusieurs jours que j'avais rien pris. Tu sais, je mange vraiment sainement, je dirais 80, 85 90 % du temps. Mais je me permets des gâteries, là, maintenant. Et donc, j'avais mon bol de chips. Ben, ce matin, c'est drôle, tu sais, j'ai perdu du poids. Mais c'est sûr, sur le coup, quand tu prends un aliment qui est moins bon, c'est ça. C'est ça, le piège, c'est qu'on pense... Ça n'a pas d'effet direct, mais si à chaque jour, je prends un bol, ou si à chaque jour, je fais de mauvais choix, bien, ça va m'éloigner de mes résultats. Donc, c'est ça l'image de l'avion. Et, c'est ça. Il me semble que je voulais dire d'autres choses. Je l'ai perdu. Donc, c'est ça que je voulais te parler, que c'est important, même si ça paraît difficile. Oui, la gratification rapide, c'est rapide, ça le dit, puis ça fait du bien sur le coup. Mais pense à long terme, à plus long terme, moyen terme. Si tu penses à moyen terme, puis si tu veux vraiment prendre soin de toi, puis être en santé, mais c'est vraiment les gestes quotidiens qui vont faire en sorte que tu vas atteindre tes résultats. Donc, n'oublie pas ça. Sur ce, je te laisse. Bonne soirée et à bientôt!